bienvenue dans l'émission de Kevin on the Road. Aujourd'hui, je me trouve à Coney Island, à New York, c'est au sud de Brooklyn. Ça se trouve juste derrière moi, c'est ici, avec ses nombreux grands vides, sa grande roue, son cyclone, hein, c'est une des grandes attractions bien connues de Coney Island. Ça se trouve juste derrière moi. Alors, c'est ici aussi qu'on retrouve les plages de New York, hein, Brighton Beach et Coney Island. C'est juste ici où les New Yorkais viennent se baigner en été, hein, en hiver, c'est hors de question. Même si au mois de décembre, chaque année, il y a une baignade hivernale, froide. Les gens viennent courir dans l'eau, se rafraîchir, on va dire. C'est un petit défi, un petit événement local, un New-Yorkais qui se passe. Une baignade de décembre à Coney Island. Alors, on retrouve des traces de Coney Island depuis 1740 sur les cartes de la Nouvelle-Amsterdam, qui était le nom de l'ancienne New York à l'époque. Et donc, Coney Island tirerait son nom, justement, des Coney. Dans le vieil anglais, ça veut dire lièvre. Il y avait énormément de lièvres sur cette île il y a des siècles avant. Et donc, Coney Island aurait tiré son nom depuis là. Allez, assez parlé, Coney Island, vidéo découverte, c'est parti maintenant.